Bon, bien sûr à tous, c'est Yabé, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va nickel. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour l'épisode 2 de Concept, le retour des légendes. J'avais fait l'épisode 1 avec Monaco, et bien là, aujourd'hui, ça sera avec le Benfica Lisbonne. Donc, ça sera différent, je pense. Hein. Ça sera. C'est notre équipe, c'est notre championnat. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour ceux qui se souviennent pas, enfin qui connaissent pas les règles, je vous invite à aller voir l'épisode 1 avec Monaco. Qui explique plutôt bien les règles. En gros, enfin, je vais être assez clair et précis dans les règles. En gros, l'objectif c'est de mettre 11 joueurs passés par le club. Donc là, c'est Benfica. Donc 11 joueurs passés par le Benfica au Benfica. Par exemple, voilà, je donne un exemple, hein, Yann Oblak, voilà, qui est passé par le Benfica. Eh bien, il sera de retour au Benfica. Et l'objectif sera de voir ce qui se passe sur 5 saisons. Et cela donnera lieu par la suite à un classement entre les différents clubs des vidéos. Donc voilà, il y a eu Monaco. Avec Monaco, je vous invite à regarder ce qui s'est passé avant que voilà, vous fassiez spoiler. Mais avec Monaco, en gros, on a eu 43 points de prix. L'objectif avec le Benfica sera de faire plus. Voilà, Benfica, une équipe quand même qui a formé pas mal de jeunes de joueurs, hein, vraiment. Il y a des sacrés joueurs qui sont passés par là. J'en ai pris 11. Peut-être que voilà, peut-être des joueurs hein, qui auraient mérité d'être là. Malheureusement, non. Ils seront pas là. Par exemple, Kostas Mitroglou, il aurait mérité d'être là. Mais je ne l'ai pas mis. Parce qu'il est un peu vieillissant. Et sur 5 ans, voilà, ça sera pas forcément super à regarder. Mais voilà, Mitroglou aurait eu sa place. Il aurait été légitime à avoir une place dans cette équipe. Malheureusement, c'est pas le cas. Comme la dernière fois avec Monaco, Germain était légitime à avoir une place. Malheureusement, ce n'était pas le cas non plus. Bref, vous avez compris. Composition d'équipe, j'ai essayé de faire en sorte de prendre les meilleurs joueurs. Hein. Il y aura des postes, ça sera assez compliqué parce qu'il y aura une énorme concurrence. Je vais être honnête avec vous, il y a des postes, il y aura une énorme concurrence. Mais sinon, voilà, on verra un peu ce qui va se passer. Le Benfica, voici l'équipe du Benfica que j'ai choisi. Donc, nous avons du Raúl Jiménez en pointe, en attaquant. Voilà, un très bon buteur. Ça sera un buteur qui va pas non plus faire des 5 saisons, je pense, titulaire. Donc à voir ce que ça va donner. Ensuite nous avons Joao Félix en dessous. Voilà, hein, Joao Félix, l'énorme crack hein, qui a été révélé lors de la saison 2018-2019. Bref, Joao Félix. Bah, moi personnellement je suis pas forcément. C'est pas le joueur qui me hype le plus. Joao Félix, mais voilà, je pense qu'il peut vraiment dans la carrière être très très bon. Côté gauche, nous avons Rafa hein, qui est au club de base. Pizzi au milieu de terrain, nous avons Bernardo Silva, voilà, qui était déjà là avec Monaco, et bien là il est de retour. Voilà, hein, Bernardo Silva, on connaît, c'est la très grosse qualité. Pour l'instant il joue au poste de milieu de terrain. Parce qu'on n'a pas forcément le choix, mais pour l'instant il joue milieu de terrain, il sait jouer milieu de terrain, donc on en profite. Pizzi, bien sûr, on le présente pas, le capitaine de cette équipe. De cette équipe portugaise, André Di Maria côté droit. En effet, Di Maria est passé par le Benfica de 2007 à 2010. Alors ça, je ne le savais pas. Personnellement, j'étais assez surpris de voir que. Non, je savais pas que Di Maria était passé par le Benfica. C'est une bonne surprise. Au moins, voilà, Di Maria, il est dans le concept et au moins vous apprenez quelque chose. Et ça, c'est plutôt cool. Côté gauche, hein, défenseur gauche, nous avons Grimaldo, hein, qui est vraiment une des très grosses valeurs sûres de cette équipe. Qui est là depuis quelques saisons et qui vraiment est un des meilleurs joueurs de cette équipe hein, avec Pizzi, c'est un des meilleurs joueurs. Ensuite nous avons Yann Vertonghen, voilà, qui est arrivé cet été en provenance de Tottenham, librement. Ruben Dias qui lui est parti du côté de City à la Miss. Enfin à la Mercato Estival. Nelson Semedo, défenseur droit, on a Cancelo aussi. Donc voilà, c'est deux joueurs qui vont avoir une concurrence assez forte. Comme ils l'ont avec la sélection portugaise, bah là ils l'auront avec le Benfica. Donc voilà, j'ai envie de voir hein, parce que ça va passer. Pour l'instant, je mets Semedo titulaire. Voilà, ça peut être Cancelo, ça peut être Semedo. En vrai, les deux, ils mériteraient une place de titulaire. Donc à voir ce que ça donne. Et en cage, Yann Oblak. Et c'est compliqué le poste de gardien parce qu'on a Ederson aussi. Voilà, Yann Oblak est passé par Benfica. Et Ederson, pareil. On a Vlachodimos en plus. Bref, c'est un. Bordel, pas possible vraiment, c'est un sacré bordel. Sur le banc, on a du Talisca, on a du Witsel, voilà, Cancelo, Ederson, comme je l'avais dit. Est-ce qu'il n'y aurait pas un dernier joueur? Non, il me semble que c'est tous les joueurs qu'on a ramenés. Donc, vous pouvez compter, il y a 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 joueurs. Voilà, les 11 joueurs, ils sont présents. C'est Jiménez, Félix, Silva, Di Maria, Diaz, Semedo, Oblak, Talisca, Witzel, Cancelo, Ederson. Donc voilà pour les 11 joueurs. L'équipe, elle a quand même 5 étoiles. Elle a 5 étoiles. Elle a 5 étoiles, cette équipe. 83, 84, 82. Si on devrait la comparer avec une équipe, on va aller en Angleterre. Hein. Voilà, ça sera à peu près un Chelsea, voilà. À peu près au même niveau que Chelsea. En dessous. Peut-être un United, ouais. En vrai, ouais, ça serait une équipe comme ça, un peu. Voilà, qui est bonne, hein. Franchement, une très bonne équipe. Si on va en Allemagne, le Dortmund par exemple, ouais, c'est un peu en dessous Dortmund par exemple. Après, on a enlevé Witzel, mais c'est en dessous. Donc voilà, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On a une très grosse équipe, donc voilà. Là, franchement, l'équipe qui est présente, elle me hype plutôt pas mal. J'adore ce que ça va donner. C'est vrai que par rapport à Monaco, je pense que ça peut. En fait, c'est meilleur sur le court terme. Après, sur le long terme, je sais pas trop. Parce que par exemple, des joueurs comme Vertonghen, comme Di Maria, comme Pizzi, comme Jiménez, voilà, ça va vieillir. Ça va vieillir et je me demande ce que ça va donner. Alors que Monaco, c'était une équipe plutôt jeune. Avec par exemple Mbappé, Martial, Silva. Voilà, c'était une équipe vraiment jeune. Là, ça sera un peu plus âgé. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Les amis, on se retrouve directement pour le bilan de la saison 1. Bon, les amis, on se retrouve pour la première saison. On va regarder un peu comment s'est passée cette saison pour le Benfica. On va voir le nombre de points qu'ils prennent. Je pense vraiment qu'ils ont les qualités pour aller dépasser Monaco. Après, je ne sais pas, mais en vrai, ils ont les qualités, je pense. Donc, on va commencer directement par le championnat. C'est ce qui rapporte le plus de points. Quoi qu'on va aller en Tacha Portuguesa, Benfica qui remporte, ça fait déjà 2 points. Voilà, c'est cadeau. C'est du rapide. Le Benfica qui remporte déjà 2 points. Hop, c'est tranquille. Franchement, tranquille. Tranquille, pépère. Sinon, au niveau du championnat, ils sont top 3, top 2. Voilà, ils sont premiers. Voilà, on reste sans surprise. Ils ont pris 5 points, plus 2 de Ligue des Champions, ça fait 7. Plus les 2 points de coupe remportée, ça fait déjà 9 points de prix pour ça fait déjà 9 points. Franchement, ils sont déjà très très chauds. On va regarder en Europa League ce qui s'est passé. Le Benfica qui est groupe numéro E. Le groupe E, ça c'est pas numéro le E, mais bon, je dis groupe numéro E. Non, c'est le groupe E. Ils ont fini premier. Égalité avec le Napoli. Ils ont fait deux matchs nuls là, face au Napoli. Ils passent le Dynamo. Donc, ils prennent déjà 2 points. C'est déjà 11 points de prix. Oh, Lens. What? Lens. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Lens, il sera en quart de finale de. Oh, ok, d'accord. Ok, bon, bah, ça passe aussi. Donc, c'est 3 points. Là, c'est 12 points pour le Benfica. Le Benfica qui passe la Sociedad. C'est incroyable. Oh là 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 là. Ça fait 13 points pour le Benfica. Le Benfica qui va en finale. Ah là 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 là. Le Benfica qui va en finale. Ça fait 14 points et s'il gagne, c'est 15 points de prix sur une première saison. Et voilà, 15 points. 15 points pour le Benfica. C'est incroyable, c'est historique. 15 points. Sachant que Monaco, ils avaient pris 15 points en 2 saisons. Là, 15 points en une saison, c'est déjà énorme. Énorme saison, ils ont fait un triplé. Ouais, franchement, incroyable. Incroyable, vraiment. Si on regarde en composition d'équipe, eh bien franchement, ok, ils ont servi, donc ils ont dû perdre quelques petits joueurs, ils ont alterné les joueurs, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas voilà, le Benfica hein, qui a fait fort, qui a fait vraiment très très fort pour cette première saison, le Benfica qui prend une très grosse avance sur Monaco, les amis. On va regarder les statistiques, hein. On va essayer de regarder les statistiques au niveau du championnat. Jiménez 28 buts, mais quel crack. 28 buts, João Félix 19, Witzel 14. Ah oui, là ils ont marché sur le championnat très clairement. Niveau passe décisive, nous avons Jiménez. Hein. Il a été décisif sur 40 buts, Jiménez. Hein. C'est incroyable. Il y a du Witzel, du Grimaldo, João Félix. En vrai, les Di Maria, Bernardo Silva et tout, on les voit pas, mais. Silva ouais qui a fait 4 passes décisives. D'ailleurs Clinton Enji est dans le jeu, je savais même pas tiens.
Clinton NJ, il y a Boa Vista, ok, bon, bah, je savais pas. Oblak, hein, qui a joué tous les matchs, il me semble, et qui a fait 14 invincibilités. Par contre, là, il est en dessous de Adam. Au niveau des cartons jaunes, nous avons Jiménez et Grimaldo. Carton rouge, nous avons personne, parce que voilà, c'est une équipe très civilisée. On va regarder l'Europa League, hein, João Félix, 10 buts en Europa League. Et le RC Lens quand même, hein. Putain, Lens, hein, quand même, pas mal. Lens, il va quand même en quart de finale d'Europa League, c'est pas mal. Hein. Il y a du Witzel, hein. Franchement, on voit un peu les hommes forts qui sont présents dans cette équipe. Jiménez, hein, voilà, hein, passe décisive. Grimaldo, passe décisive. Aussi, Yann Oblak, 9 invincibilités en Europa League. Voilà, c'est incroyable. C'est des très grosses statistiques pour les joueurs du Benfica. Les amis, on se retrouve directement saison 2. On va regarder ce qui se passe. On va regarder s'ils prennent autant de points. Ça serait incroyable. Les amis, à tout de suite. Bon les amis, on se retrouve pour la saison 2, on va regarder un peu ce qui s'est passé. Franchement, j'ai envie de voir, j'ai envie de voir. J'ai un peu peur, parce que je sais pas, mais je sens que le Benfica peut complètement exploser l'AS Monaco. Je pense qu'ils peuvent, ouais, là, ils peuvent vraiment prendre un record dur à atteindre, même pour les prochaines équipes. Voilà, bon, Benfica, c'est dans le top 2, bien sûr, hein, ça finit premier, sans réelle surprise, c'est 7 points de prix pour le Benfica, Tacha Portuguesa, et il n'y a pas de Benfica, il n'y a pas de Benfica, donc bah, ça prend pas de points, ça a perdu face à... Ils étaient même pas là, en fait, très clairement, ils sont pas là, ok, bah ils étaient pas là, d'accord. Bon bah s'ils sont pas là, ça fait perdre des points, c'est dommage hein, pour eux. Et tant mieux pour Monaco, hein, ça relance un peu le suspense on va dire. La Ligue des Champions, on y était, hein, le Benfica qui était dans le groupe C avec le Barcelone et l'Olympique Lyonnais, d'accord. Donc ouais, Benfica qui a tout de même pris deux matchs nuls face à Barcelone, c'est pas mal. Et un match nul face à Young Boys, sinon c'est que des victoires. Ouais, bon, bah Lyon qui reverse en Europa League aussi. Ça, on l'a vu. Le Benfica, où êtes-vous? Le Benfica, ça passe l'Inter, ça va en quart de finale, les amis, je l'ai pas dit, mais en quart de finale, ça fait 4 points. Donc, 4 points plus les 7, ça fait 11 points pour le moment. Le Benfica qui le Benfica qui passe. Et Benfica, demi-finale. Incroyable. Ça fait 6 points, voilà. Je tiens à dire, hein, ça fait 13 points. S'ils vont en finale, c'est totalement dingue. Non. Malheureusement, non. Le Barça est présent. Le Barcelone, ils sont là, ils sont en mode oh, vous allez vous calmer, tranquille. Calmez-vous. Voilà, le Barcelone qui est présent. Barcelone qui remporte sa petite Ligue des Champions. Ouais, franchement, ça fait quand même 6 points de Ligue des Champions pris, hein. 6 points plus les 7 de championnat. Ça fait 13 points, c'est énorme, hein, vraiment 13 points quoi, c'est incroyable, là ils sont déjà à 28 points, c'est-à-dire qu'en 3 saisons ils seront potentiellement dans les 40 points, ce qui est totalement fou, vraiment je sais pas, je pense que là ils vont prendre un record et ils vont se mettre très très bien. Est-ce qu'on a toujours du... Non, Jiménez un peu en dessous, même s'il fait une bonne saison, hein. 21 buts c'est très bien, mais c'est un peu en dessous, c'est pas le meilleur buteur. Il y a du Talisca à 16 buts, hein. Félix à 14. Voilà, Talisca qui se réveille aussi dans cette petite expérience. Jiménez au pass décisif, il est présent. Félix, Talisca, voilà les trois hommes forts de Benfica. Yann Oblak, invincibilité, hein, 19 invincibilités, c'est énorme. Hein. C'est ça qui a permis au Benfica de finir premier, je pense. Sinon, voilà, y a du Witzel, hein, du Cancelo. Et niveau carton rouge, il y a Félix qui a pris un carton rouge. D'accord, on va regarder vite fait leur équipe. Hein. J'ai juste envie de voir vite fait, hein, franchement. Ok, toujours, ça reste comme ça. Par contre, on voit pas les notes. Ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment un truc qu'ils ont enlevé. Je sais pas pourquoi, mais ils l'ont enlevé. C'est dommage. On va aller vite fait regarder ce qui se passe. On va regarder un peu les joueurs. Je pense que on pourra voir un petit nombre de joueurs quand même, les statistiques etc. Voilà, par exemple Di Maria il y a 82 hein. Un Di Maria c'est sûr que c'était sur le court terme, hein, Di Maria. Jiménez par contre 84, João Félix 88, il va être incroyable je pense.
Vinicius, ah oui, il est de retour de prêt. Enfin, c'est un prêt, je crois, qui est à Tottenham. Bernardo Silva, 88. Et aussi à Waldschmidt, bon, on s'en fout. Sinon, Everton, 84, hein, qui progresse plutôt bien. Florentino, il doit progresser comme Fernandes. Gabriel, hein, qui est pas mal aussi comme joueur. Le milieu de terrain, ils ont perdu des joueurs, j'ai l'impression, hein. Pizzi, qui est présent. Alpha Semedo, Talisca 84 et Witsel, mais il me semble qu'ils ont peut-être perdu un petit joueur, je sais pas, il me semblait pas qu'il y avait aussi peu de milieu de terrain qui avait été injecté. Quoique si en fait, moi il me semble qu'il n'y avait pas beaucoup de milieu de terrain, Talisca hein, 84. La défense, Cancelo 86, Ruben Dias 84, hein, pas mal hein, franchement, il se régale. Grimaldo 87, Otamendi, bon c'est pas ouf ouf quoi. Semedo 85, voilà, qui est un peu en dessous de Cancelo. Cancelo qui a pris un peu l'incendant. Et franchement, elle est très belle leur équipe, hein, niveau gardien, voilà, c'est du Yano Black et Ederson. Franchement, Vlachodimos à côté, il est très bon, Vlachodimos, mais à côté, c'est un peu de la pisse de chat, hein, très clairement. Voilà, là, ils ont deux très bons gardiens, Oblak 93 et Ederson qui joue aucun match. Enfin, franchement, c'est. Franchement, c'est dommage, ça fait de la peine un peu pour Ederson, mais il doit pas jouer beaucoup de matchs, hein. Il joue quasiment aucun match, et c'est assez dommage. Bon, voilà un peu pour le Benfica, on se retrouve directement saison 3, on va regarder ce qui se passe, on va regarder si le Benfica va continuer sur sa lancée avec un nombre de points pris énorme. Les amis, à tout de suite. Bon les amis, on se retrouve saison numéro 3, un petit peu, on va regarder ce qui se passe pour le Benfica. Le Benfica, eh bien, c'est dans le top 4, enfin c'est dans le top 3 plutôt. Donc ça se met plutôt bien. Il faut que je mette le barème sous mes yeux, ça sera mieux. Donc là, normalement, c'est au moins 3 points. Sporting 3ème, Benfica 2ème. Donc Benfica qui a 4 points, plus les points de qualif en Ligue des Champions, ça fait 6. Mais voilà, Porto qui détrône le Benfica, ce qui est plutôt pas mal. La Tacha Portuguesa, c'est Benfica, donc ça va. Benfica, ils prennent quand même 6 points avec le championnat et plus 2 avec la coupe. Donc au final, ça fait 8 points de prix. S'ils font un bon parcours en Ligue des Champions, ça va vite. Voilà, ils seront un peu. Ça va rembourser un peu leur. Ce qui leur est arrivé, on va dire. Donc, le Benfica, qui a fini deuxième de son groupe, qui était en groupe avec City. Ça va ensuite affronter l'Inter. Cette fois, ça ne passera pas. Ça prend 2 points. Voilà, ça prend 10 points en tout, mais ça commence à diminuer petit à petit le nombre de points. Comme j'ai dit, sur le court terme, ça peut faire très mal, mais sur le long terme, peut-être que Monaco sera mieux. Voilà, c'est ce qui est possible. Donc pour l'instant, ça nous fait actuellement 38 points pour Benfica. Je pense que là, Benfica, ils vont passer dans tous les cas. Enfin, ils vont passer devant Monaco dans tous les cas, mais c'était quand même sympa à regarder. Le Paris Saint-Germain, on va regarder un petit peu. Il y avait le Sporting Portugal quand même en quart de finale, hein, pas mal du tout. Le PSG qui passe, le PSG qui va perdre en finale face au Bayern Munich. Mais en tout cas, voilà, le Benfica, dommage. Hein, ouais, on aurait pu passer l'Inter, hein, c'est dommage, voilà, c'est dommage. Mais ça fait n'empêche 10 points. Franchement, c'est honorable. Hein. C'est vraiment honorable, 10 points, c'est. Puisque correct, saison prochaine on verra ce qui va se passer. On espère peut-être un meilleur parcours. Là, c'est la saison où ils ont pris moins de points, mais ça veut rien dire. Les amis, on se retrouve directement pour la saison numéro 4. On va regarder ce qui se passe. On va regarder si le Benfica fait de bonnes performances. J'ai oublié de regarder les buteurs. Voilà, Everton qui a 15 buts. Félixa qui a un peu moins de buteurs. Il y a peut-être eu un petit départ. De Jiménez, je sais pas, mais ouais, il y a par exemple les joueurs comme Gabriel, voilà, les joueurs qui sont de base dans le club, commencent à marquer un peu plus de buts. Sinon, il y a du Everton, hein, ouais, Everton qui a été un très bon joueur cette saison, Félix, pareil, 6 passes décisives. Il y a du Gonzalez qui a fait 4 passes décisives, je ne sais pas c'est qui. Oblak hein, qui a joué 29 matchs et qui a eu 16 invincibilités. Et Vlachodimos qui a joué 4 matchs. Oula. Comment se fait Comment ça se fait? Attends, Ederson il joue pas en fait. Vlachodimos qui a joué 4 matchs, 3 invincibilités, c'est vraiment pas mal. Et pourtant c'est Oblak hein, le titulaire au poste de gardien. Niveau carton.
Niveau carton, hein, c'est très. Il y a juste Félix, il y a 4 cartons jaunes. Et niveau carton rouge, eh bien, c'est tout, il n'y a rien en fait. Il n'y a pas eu beaucoup de cartons rouges. Le Benfica, c'est très civilisé, donc ça prend pas beaucoup de cartons. Voilà les amis, à tout de suite pour la saison 4. On va regarder ce qui se passe directement et voilà, on va voir un peu le nombre de points qu'ils prennent. Bon les amis, continuons sur notre lancée avec la saison 4. La saison 4, on va faire. On va pas mettre de suspense, hein. Le Benfica qui termine premier, invaincu, 94 points, 75 buts marqués, 17 encaissés. C'est pas mal du tout. Oui, c'est vraiment pas mal. Franchement, ça fait 7 points, bien sûr, avec le championnat. L'Atacha Portuguesa, c'est une finale. Ça prend un point quand même. C'est un point. C'est une finale de coupe, donc c'est un point. Le Sporting qui remporte et qui, voilà, qui gagne les trophées, ça fait plaisir quand même de voir ça. Ok, bon, je me suis fait spoil, d'accord. Tant pis. Le Benfica, where are you, Benfica? Ok, Benfica. Benfica. Ah, où est-ce que vous êtes? Where are you, Benfica? Ils ont pas été en Euro. Bah attendez, en fait, ils ont pas été en Ligue des Champions. Il faut leur enlever un point. Alors, vu qu'ils sont en Europa League. Ok, bah on enlève un point pour la saison dernière. Il n'y a pas de souci. Ça fait 9 points. Étant donné qu'ils ont pas été en Ligue des Champions. Voilà, c'est les règles. Hein. On les connaît, les règles. Après, peut-être que ça sera un très bon parcours en Europa League. Hein. Bon, bah là, normalement, ils sont en Europa League. Parce que s'ils sont pas en Europa League, ouais, bon, ils sont là, tranquilles. Ils finissent premier de leur groupe. Avec 16 points. Ensuite, ils viennent affronter le Celtic Glasgow qui remporte 4 à 2 au cumul. Les 8e de finale. Bon, ils prennent 2 points déjà. Les 8e de finale. C'est le Benfica qui remporte face à l'Ajax. Donc ça va en quart de finale. Ensuite, ça passe Leicester. Donc les demi-finales seront là pour le Benfica. Benfica qui remporte Villarreal et qui vont aller en finale face à Chelsea. Et Chelsea qui remporte la finale d'Europa League. Ça fait quand même 5 points avec l'Europa League. Plus 7. Plus la finale. Attendez, 5 plus 7. 5 plus 7, ça fait 12. 12 plus 1, 13. Voilà, ils prennent 13 points. Avec cette saison bien réussie, et là, j'annonce officiellement que le Benfica a eu. En fait, je suis nul à chier en calcul, hein. Franchement, c'est horrible. 26 plus 9, ça fait beaucoup. 26 plus 9, ça fait 35. Plus 15, ça fait 50. Ils ont actuellement 50 points, les amis. Objectif 60 points, je pense, pour le Benfica, c'est atteignable. Donc voilà, hein, franchement le Benfica, pas mal. Hein, ils ont pas été en Ligue des Champions, mais au final ils ont remporté pas mal de points. Le meilleur buteur, c'est Núñez. Hein, c'est un jeune buteur hein, quand même, qui a dû. Il joue pas mal de matchs. João Félix, hein, qui est là, 6e meilleur buteur avec 15 buts. Et sinon, y a que ces deux-là hein, qui sont là. Il n'y a que ces deux-là qui sont présents. Au niveau des passes décisives, on a João Félix. Et du Gonçalves qui, malgré le fait qu'il joue trop peu de matchs, il fait beaucoup de passes décisives. On a Oblak à 18 d'invincibilité. Mataus hein, qui a 20 d'invincibilité quand même, c'est pas mal. Mais voilà, Oblak qui a joué tous les matchs cette saison. Et concernant les cartons, il y a Conti qui a pris 3 cartons jaunes. Et João Félix, hein. Putain, mais João Félix, c'est vraiment un. C'est vraiment une brute le mec. Hein. Et Witsel qui a pris deux cartons jaunes aussi. Niveau carton rouge, il n'y a rien parce que ils sont civilisés. L'Europa League, on peut regarder parce qu'il y a peut-être peut-être des buteurs. Maya Nunez avec 7 buts. Mais c'est vrai que c'est moins efficace offensivement, je trouve. J'ai l'impression qu'il y a certains joueurs qui sont partis. Comme par exemple les Bernardo Silva etc. On les voit pas du tout dans les on les voit pas on les voit très clairement pas donc je sais pas comment ça se fait j'ai envie de voir un peu après on verra ça prochain épisode prochaine saison plutôt on verra les joueurs qui sont restés ou pas. Je sais que Di Maria il prenait sa retraite cette saison ou la saison dernière mais sinon le reste je ne sais pas. Bon les amis je pense qu'on va se retrouver directement pour la saison 5, en direct, on va regarder ça. Saison 5, c'est en Ligue des Champions. Donc, on va voir un peu ce que ça va donner, les amis, à tout de suite. Bon, les amis, on se retrouve pour la fin de la saison 5. On va voir
Le final, on va voir tout ce qui se passe, on va voir. Bah, le Benfica est passé devant Monaco, on va voir combien de points aura le Benfica, c'est important. Donc on va commencer directement avec le championnat. Le championnat, voilà, le Benfica finit deuxième. Donc le Sporting Portugal, vraiment très fort, hein, vraiment, ils surprennent, on va dire. Voilà, le Benfica qui termine deuxième, donc ça fait 4 points, plus les points. C'est assez compliqué parce que vraiment, je prends la deuxième place. La deuxième place de championnat portugais, elle est qualifiée. Enfin, en gros, il y a des barrages, donc c'est assez compliqué à juger. Donc, je sais pas. En vrai, je pense mettre les points de. Je pense mettre 2 points. Et je ferai ça avec tous les clubs, voilà, comme ça, il n'y aura pas de différence. On va mettre les points de Ligue des Champions. Donc, ça fait 6 points en tout pour le Benfica. Par la suite, eh bien, le Benfica n'est pas là. Hein. Enfin, si, ils sont là, ils ont été en quart de finale. Mais le Sporting Portugal, incroyable, qui a réussi le doublé. C'est fort. C'est vraiment fort la part du Sporting, là. Vraiment assez surprenant. Oh là, c'est quoi ce groupe? L'OM qui termine premier du groupe, d'un groupe avec Tottenham et le Piemonte Calcio. Ça reste du fictif, hein, malheureusement. Sinon, notre petit Benfica là, oh. Où êtes-vous, Benfica? Ok, ils ont fini deuxième de leur groupe avec Chelsea. Sinon, les huitièmes de finale, c'est perdu directement face au Benfica. Donc ça fait que 8 points cette saison. Donc ils sont pas 60, ils sont à 58 points au cumul. Enfin, au total, ils ont 58 points. En tout cas, voilà, ils sont premiers pour le moment. Mais en vrai, c'est rattrapable, je pense. J'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir. T'as le Villarreal quand même qui va en quart de finale, hein. C'est assez incroyable. Le final, c'est Tottenham qui remporte la Ligue des Champions, s'il n'était pas gagné d'avance. Donc voilà, hein, des surprises à tout va. Et nous, bon bah malheureusement le Benfica voilà qui aura un peu plus, qui aura eu plus de difficultés sur la fin, même si franchement c'est pas mal. Mais ils auront un peu plus de difficultés. J'ai du mal à parler franchement. Là, je suis sorti et il fait assez froid, donc là j'ai du mal à articuler. J'aurais dû faire un peu d'articulation avant de commencer. Leipzig qui remporte l'Europa League. Bref, on va regarder un peu les buteurs. C'est João Félix, le meilleur buteur, avec 20 buts. Derrière, il y a Witzel, hein, toujours. Hein, Witzel, 12 buts. Alors que c'est un milieu de terrain, franchement, c'est vraiment bien. Rota qui a marqué 10 buts. Cadiz, 9. Et voilà un peu pour ça. Les passeur, il y a du Rota, du Witzel, du Grimaldo aussi qui a eu ses 5 passes. Et après, c'est vrai qu'on n'a pas trop vu les recrues. Hein. Vraiment, il y a certaines recrues qu'on n'a absolument pas vues. Oblak, hein, qui a 17 invincibilités en 34 matchs. En termes de carton jaune, il y a Ju Pereira, du Cadiz, du Rota, du Dias. Et en termes de cartons rouges, il y en a très peu. Il y a eu que 4 cartons rouges cette saison. C'est assez incroyable. On va regarder vite fait. On va regarder un peu ce qui s'est passé au niveau des joueurs. On va voir comment ils ont évolué. Je pense qu'il y a certains joueurs en retraite. Pourquoi je joue en Liga Santander, je ne sais pas. Non, on va aller en Liganos, le Benfica Lisbonne. Hein. Je m'attendais un peu mieux. Je m'attendais vraiment à une supériorité, mais totale. Au final, voilà, João Félix, 93 de général, hein, il est incroyable. Bernardo Silva, qu'on aura très peu vu. C'est vrai que, ouais, on l'a pas beaucoup vu. Alors que João Félix, vraiment, lui, on l'a pas mal vu. Hein, des bonnes stats, hein, vraiment, 99 en conduite de balle, 97 en dribble. Franchement, il a des stats. Enfin, il régale, voilà, très clairement, il régale et il aurait pu encore progresser. Sinon, il y a du Pizzi encore. Hein, Il y a Jaxel Witzel hein, qui a 78. Mais voilà, encore des joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Qui sont vite partis. Ruben Dias, hein, par contre, toujours présent. Et leur défense, elle est vraiment pas mal. Hein. Franchement, elle est plutôt bonne. Même s'ils ont perdu Cancelo et Semedo. Sinon, les gardiens, bah, au final, ils sont tous restés. Enfin, Oblak et Ederson sont restés. Donc, c'est assez surprenant. Quand même, parce que bon. Ah, c'est une concurrence, voilà, Oblak c'est le meilleur gardien du monde, et Ederson il fait partie aussi des meilleurs gardiens du monde, donc
C'est assez surprenant. J'ai envie de voir 2 secondes où est Jiménez. Jiménez. Raúl Jiménez, 34 ans. Je sais pas où est-ce qu'il est parti. Il est parti à Chelsea, d'accord. Ok. Pourquoi pas. Et ensuite, on va regarder. Alors, il y avait Cancelo et Semedo. Voilà, les deux joueurs qui étaient. Qui était pressant. Je vois Cancelo qui est parti au Real Madrid. En vrai, je le vois. Enfin, en vrai, c'est un joueur que j'aurais bien vu au Real Madrid. Maintenant, c'est trop tard. Mais sinon, j'aurais bien vu au Real Madrid. Et Semedo. Non, pas Alpha Semedo. Ça sera Nelson. Nelson Semedo. Qui lui est retourné au FC Barcelone. Hein. Assez surprenant. Il est retourné cette saison. Sinon, il y avait qui d'autre comme joueur hein. En vrai, il y avait Talisca aussi. Hein. C'est vrai que ça pourrait être sympa de voir ce qu'il a fait par la suite. Talisca, il est parti à Leicester, d'accord. Oh, c'est pas ouf, ouf, quoi, vraiment. Ouais, c'est pas forcément incroyable ce qui s'est passé. Sinon, après, il n'y a plus d'autres joueurs, je crois. Hein. Di Maria, retraite, bien sûr. Et au final, voilà, en vrai, une équipe qui a été un peu. Ils ont gardé quand même certains joueurs, mais je m'attendais à un peu mieux. Au final, ils n'ont pas évolué, je trouve, en fait, avec les saisons. Et ils finissent derrière le Sporting, alors que le Sporting, de base, c'est vraiment. Enfin, c'est en dessous, quoi. Normalement, le Benfica, il devait tout gagner, je pense. Et au final, ils n'ont pas forcément tout gagné. Ils ont gagné que 3 divisions. Ils ont gagné que 3 Liganos. Je m'attendais à un peu mieux. Donc, bon, après, voilà, c'est franchement pas mal hein, ce qu'ils ont réalisé. Donc voilà, les amis. Porto qui est en dessous. Hein. Porto, 3e club du championnat, voire même peut-être même 4e. Non, ouais, 3e ou 4e, ça dépend. Ça, soit Braga, soit Porto. Mais c'est vrai que Porto a perdu un peu de sa puissance. Mais voilà, Benfica, franchement, pas mal du tout. J'ai hâte de voir les prochains clubs. Hâte de voir ce que ça vaut. Les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'était Yabei. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.